Bonsoir tout le monde, nous sommes le 27 octobre 2014, il est 21h26 exactement. Et je viens de tomber sur ce magnifique shiny qui est moufouette. Après exactement 10257 rencontres, après Ponyta, puisque j'avais déjà fait cette route et j'ai trouvé Ponyta shiny. Et j'avais retenté pour trouver Moufette Shiny, donc je suis vraiment très très heureuse de l'avoir ce soir en face de moi. Il est magnifique, j'ai vu la fin de son apparition avec les étoiles, j'ai tout de suite compris. Il est vraiment trop beau, c'est un Shiny magnifique. Que dire, en fait j'ai toujours aimé Moufette, je savais que je le ferais un jour, je cherchais juste le moment opportun pour le chasser, et puis la recherche qu'il fallait, c'était celle-là, Ponyta Moufouette. J'ai fini par avoir les deux, donc c'est vraiment trop trop génial. Il a mis du temps à venir quand même ce 152e shiny, parce que j'étais vraiment très haut au niveau de... En ce moment je suis vraiment très haut au niveau de mes chiffres. J'ai trouvé mon dernier shiny, c'était Lupio, c'était le 6 octobre. Là ça fait 21 jours exactement que j'ai pas trouvé. Bon, il y a des périodes où j'ai pas trop chassé parce que quand même il y a d'autres choses à faire. Et j'ai eu du monde chez moi et tout ça. Donc j'avance un petit peu quand même les chiffres régulièrement, mais ça tombait pas. Et là aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, j'ai fait. Enfin si quand même. J'ai fait 300, c'est le 357e de la journée. Mais je veux dire, j'ai pas chassé toute la journée, loin de là. Donc c'est vraiment super, je suis contente. Je vais le capturer parce que j'ai trop hâte de le voir avec moi dans ma team. Alors. Je pense que la meilleure balle pour lui, ce serait l'honneur. Ouais, allez, on balance l'honneur, c'est parti. Avec un peu de chance, vous allez voir les étoiles. Voilà. Oh. Quelle merveille. C'est une femelle niveau 16. Je crois que le Ponyta Shiny que j'avais trouvé juste avant était niveau 16 aussi, il me semble. C'est vraiment un beau Shiny. Je pense qu'il va rester en Moufouette, parce que je préfère Moufouette que Moufleur. Et j'aime bien son animation CG. Enfin, je trouve sympa ce Shiny sur CG. Il y a beaucoup de gens qui l'ont eu sur cette version d'ailleurs, sur cette génération-là. Et finalement, moi je suis bien contente de l'avoir trouvé sur 4G, sa version de base. Hop. Donc là je la faiblis pas, je pense pas qu'il ait un taux de capture énormissime. Mais c'est pas grave. Elle est trop belle. Allez Coco, faut la capturer. Non, toujours pas décidé à rentrer. Pouah. Ça fait trop du bien de revoir les étoiles. Ça fait trop du bien. Elle fait des dégâts cette coquine. Elle vient comme moi je mets. Hey. Pluie de vise. Yeah.
Génial. Super. Le surnom, franchement, autant j'en ai trouvé un direct pour Ponyta, mais alors là, j'ai pas d'idée. Alors, il se protège en expulsant un fluide nocif par son derrière. La puanteur dure 24 heures. C'est génial. C'est n'importe quoi. Alors, juste pour le fun, je vais l'appeler Smelly. Parce que ça me fait penser à Phoebe dans Friends qui chante Smelly Cat. Franchement, je crois que ça s'écrit comme ça. Smelly. Voilà. Je peux sauvegarder, yes. J'ai eu les deux chenilles que je voulais sur cette route. En même temps, je les avais tous les deux. C'était une recherche vraiment trop badass. Trop cool. À peu près du 50-50 pour les deux, un peu plus de Ponyta quand même. Bien que dans la journée, le taux de Ponyta était plus bas, donc du coup j'étais presque du 50-50. Alors je sors de là. Et si je peux voler, ça serait bien. Ouais. Tac. On va aller voir Smelly. Alors c'est pas Smelly Cat, mais c'est Smelly Stunky. Voilà, Arctéon qui est là. Et mon fouette, elle est où? Ah, je l'ai vu là. Non, mais je. Ah, mais j'ai fait objet en fait. Je me disais, il y a un problème. Les Pokémon, je les vois pas comme d'habitude. Yoshi, mon petit chat qui fait miaouin, qui miaule. Alors je vais mettre Smelly en tête d'équipe. Toc. Et on va faire la découverte du résumé. Elle est trop belle. Yes, trop magnifique. Alors je dirais un thème. Nature timide et elle est mal polie. Mal polie, ça fait moins de vitesse. Et elle a puanteur. Oh putain. Puanteur. Ah, du coup, elle fait pas beaucoup de rencontres. Ah si, parce que j'étais sur ma pousse. Elle est trop belle. Ah, il y a des reflets orangés hein, ici. C'est trop beau. Voilà, je vais vous quitter sur ces étoiles magnifiques du 152e shiny de ma collection. Très contente d'être tombée sur mes cibles. Il manque Galvarin maintenant et après ça roule. Allez, à plus pour un nouveau shiny et chassez bien. Ciao.